Bonjour. Alors, je suis de retour pour un épisode de tricot pas préparé, ou à peu près pas, mais bref, j'ai quand même choisi de venir vous voir aujourd'hui parce que je pars en vacances dans une journée ou deux. J'ai beaucoup de préparatifs à faire, puis je veux pas, je veux pas avoir à penser à tourner, puis je trouvais que ça faisait un petit bout que je vous avais pas vu, puis j'avais quand même des choses à vous montrer. Donc, je m'appelle Nancy, si c'est votre première fois ici, vous êtes sur un podcast tricot, principalement, puis je vous parle, un peu de blabla, un peu de lecture, mais en somme, pas mal du tricot. Ah, donc, comme je le disais, je suis à demi préparée, je vais y aller avec... un peu moins de préparation, un peu plus de spontanéité parce que c'est ça, je suis en vacances, puis j'ai comme, d'habitude je me prépare plus, puis là je suis en mode vacances, je suis en mode procrastination un peu, de faire que ce que j'aime, fait que je suis un petit peu moins préparée, mais ça devrait bien aller. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je pense que c'est mon épisode numéro 12. Bon. Je vais faire un 2 minutes de bougonnage et de chiolage. Je suis une personne qui n'aime pas beaucoup la chaleur et aujourd'hui, dans la pièce où je suis en ce moment, il fait 28 degrés. Dans mon autre pièce, il fait 29 degrés. J'ai pas d'air climatisé, c'est pas grave, je vis avec. Je supporte la chaleur et mon chum supporte mon chiolage. Non, je ne suis pas quelqu'un qui aime la chaleur beaucoup, puis aujourd'hui, je trouve ça très pénible, puis j'avoue que j'ai hésité à filmer, mais en même temps, mon envie de filmer était plus grande, j'avais des choses, fait que je suis là, mais très exaspérée par toute cette chaleur. Je me suis fait sûrement pas un café chaud aujourd'hui, je me suis fait un petit café glacé, latte glacé. J'ai ajouté un peu de crème fouettée à la noix de coco, c'est vraiment bon. Puis j'ai un petit bidon d'eau fraîche, pas très loin. Donc, faites un peu comme moi, allez chercher un breuvage qui vous intéresse. Vous ne m'écouterez peut-être pas dans cette chaleur intense, mais bref. Prenez-vous, installez-vous confortablement, peut-être avec votre tricot. Puis on va démarrer l'épisode. Donc, je vais commencer avec, comme à l'habitude, pour moi, c'est plus simple, là, les projets finis, les projets en cours, les projets à venir et mon petit volet lecture. Je peux vous parler aussi un peu peut-être de mes vacances. J'ai commencé mes vacances vendredi la semaine dernière. J'ai 3 semaines collées, j'aurai peut-être quelques journées ailleurs plus tard, mais j'ai commencé par aller faire une petite visite chez... je suis allée à Montréal vendredi. Depuis que je suis en vacances, ça fait même pas une semaine, puis j'ai fait beaucoup de routes. Je suis allée à Montréal. Pour celles qui m'écoutent d'Europe, de chez moi, c'est environ 1h30, 2h. J'étais à Montréal, aller-retour dans une journée, ma première journée de vacances. Je suis allée voir ma fille qui accouche prochainement et aussi remettre un petit présent tricot à ma petite fille, dont je vous parlerai de ça tantôt. Ensuite, le dimanche, je suis allée à Trois-Rivières, 1 heure de route de chez moi, pour aller faire un tour chez Pompon Laine Tricot. J'avais le goût de m'acheter une file pour l'été. J'ai trouvé. Fait que je vais vous montrer ça aussi plus tard. Ça va être mon prochain projet probablement sur mes aiguilles. Et je devais aller, encore une fois, pour des rendez-vous à 1h30 de chez moi avec les travaux routiers. Puis hier, je suis allée voir une amie, Chani, de Bleu Poussard, dans le coin de Magog. Donc, je n'ai pas vraiment arrêté. Puis en même temps, comme j'y allais seule et que je conduisais, je ne pouvais pas tricoter, fait que j'ai pas terminé. Il y avait 1 ou 2 projets que je pensais avoir terminés qui sont presque finis, mais que j'ai pas terminé parce que j'ai fait trop de petits voyages. Et finalement, samedi,
Dans 2 jours, je quitte pour la Gaspésie pour une dizaine de jours. Donc, encore une fois, je vais faire beaucoup de voitures, mais là, c'est pour aller me réfugier dans un chalet sur le bord du fleuve où il fera frais. Oh, je le sais parce que mon entourage me le dit, là, beaucoup de personnes autour de moi adorent la chaleur et sont un peu exaspérées de mes commentaires sur la chaleur, mais c'est ça. J'aime pas beaucoup la chaleur et je trouvais que jusqu'à maintenant au Québec, on avait été quand même pas pire épargné. Le mois de juin, juillet avait été quand même relativement tempéré, des 20, des 25, c'était parfait pour moi. Mais en même temps, j'adore la luminosité, donc je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre plus longtemps. Je vais fermer la parenthèse du chiolage. Donc, et en même temps, j'ai envie de dire, quand on se compare, on se console. Je le sais qu'en Europe, c'est beaucoup pire, c'est tragique ce qui se passe. Donc, c'est important de relativiser. OK. Donc, voilà mon petit blabla, parce que j'ai baissé ça depuis ma première semaine de vacances. Je me suis beaucoup promenée, c'était très agréable, donc un peu moins de tricot, mais quand même des petits trucs à vous montrer. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé, c'était à la fin mai, fait que c'était correct que je revienne vous filmer. C'était pas trop vite pour moi. Donc, j'y vais avec mes projets finis. J'ai commencé par le projet que j'ai pas. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé, je vous avais parlé que je voulais faire le sorbet cardigan. Pas très bien. De toute façon, je vais vous mettre une photo de ma version complétée que j'ai, comme je vous disais, que j'ai pas, que j'ai remis à ma petite fille. Ce que je peux vous dire sur ce projet-là, c'est que c'est un projet qui n'a pas beaucoup d'instructions. Fait qu'il faut quand même être assez débrouillard, mais c'est pas difficile. C'est un raglan, ça fait un bottom-up, c'est pas difficile, mais il y a des choses que je sais parce que j'ai déjà tricoté. Fait que si c'était un premier projet, il manquerait peut-être un peu d'infos. Mais sinon, ça se tricote super vite parce que moi, j'ai fait la taille 2 ans. Ce qui m'a surpris par contre, c'est que normalement, ma petite fille, elle va avoir 2 ans, mais elle est très petite et elle habille souvent encore du 15 mois, 18 mois. Et là, le chandail était comme juste. Assez que sa mère et moi, on a décidé de ne pas installer les boutons parce qu'elle va le porter ouvert, parce que attaché, ça serait trop serré. Fait que j'avais pas installé les boutons. Mais je vais, quand il ne fera plus, ben je vais le récupérer puis je vais quand même installer les boutons pour un futur autre enfant. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous insérer une photo. Ce qui est important de savoir pour la taille 2 ans, en tout cas, c'est que pour la majorité des couleurs de mohair que j'ai utilisées, ça prenait moins de 25 grammes. Par couleur, sauf peut-être la couleur qui avait la bande de boutonnage, les côtes, les poignets, tout ça, le col, ça en prenait peut-être un peu plus. J'ai utilisé la majorité des restes. Il y avait un mohair que j'ai acheté parce que j'avais pas de cette couleur-là, puis je voulais m'assurer d'en avoir suffisamment. Fait que c'est le mohair le plus pâle, c'est un mohair de drops que j'ai acheté. Sinon, les autres couleurs, c'était des restants que j'avais. Soit des restants ou soit une balle neuve, mais j'ai fait juste l'achat d'un mohair de 2 balles de mohair parce que c'était ma couleur un peu plus importante dans le cardigan. Je suis bien contente du résultat. Ça a vraiment donné ce que je pensais. Ma fille aussi était contente. C'était aussi voulu les couleurs parce qu'elle a beaucoup de couleurs chaudes dans sa garde-robe, ma petite fille. Des pantalons moutarde, ocre, du beige. Fait que c'était comme un cardigan qui allait aller avec plusieurs de ses petits kits. Donc, je lui ai remis. Et comme je disais, je vais le récupérer pour finaliser les boutons plus tard, puis elle va pouvoir le porter, mais sûrement pas aujourd'hui. 2 brins de mohair tenus ensemble pour le projet.
Ce qui m'a surpris, c'est que je suis arrivée pile poil sur l'échantillon, mais que je trouvais que finalement, le cardigan, c'est un petit 2 ans, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ma petite fille n'avait pas 2 ans, puis là, il était comme juste. Fait que si vous prévoyez de le faire, ben prenez bien vos mesures pour être certaine d'avoir les bonnes dimensions pour la personne que vous le, à qui vous le faites. Est-ce que j'avais d'autres choses à faire? Ah oui, la modification que j'ai faite sur ce projet-là, c'est que j'ai fait les côtes un peu moins longues que dans le patron. Parce que ce soit pour le 2 ans ou pour le 12 ans, 10 ans ou est-ce que jusqu'à 12 ans, je m'excuse, j'ai un petit blanc. Le modèle est jusqu'à 12 ans et la largeur de côte au poignet puis dans le bas était, et les bandes de boutonnage étaient la même autant pour le 2 ans, 1 an, 2 ans que pour le 12 ans. Puis moi, ben, je trouvais que c'était un peu large pour le cardigan. Donc, j'ai fait cette modification-là là, de ne pas respecter la longueur des côtes que la designer nous proposait. C'est la seule modification que j'ai faite. En passant, le gilet, si je ne l'ai pas dit, c'est le sorbet cardigan mini qui existe aussi pour adultes de Mille Fried Knitwear. Je pense que je le prononce bien, pas certaine. Et je n'ai toujours pas fait mes devoirs. Je ne sais pas si c'est une danoise ou... Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Fait que si vous allez voir, il y a plein, si ça vous intéresse, il y a plein de belles versions sur Instagram, sur Ravelry de ce patron. Ah oui, je pourrais vous parler de ce que je porte. J'avais l'intention de mettre un projet récemment terminé, mais non! Finalement, j'ai vite changé d'idée parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui là, que ça a été insupportable. Fait que j'ai mis mon Valenti. J'espère, oui, c'est ça. J'ai mis mon Valenti de Camille Descoteaux que j'ai tricoté l'été passé et que j'ai déjà porté dans un épisode dans la bleue poussière Helios qui est, si je ne me trompe pas, 50% soie, 50% mérino. Et je vous avoue que c'est confortable. Oui, j'ai chaud, mais je pense que j'aurais chaud même si j'avais une camisole en coton ou en lin sur le dos. Fait que c'est très supportable aujourd'hui. Puis je le porte ben, avec une short là, parce que... Pas exagéré. Deuxième projet terminé. J'ai mis une photo, je pense, sur Instagram. C'est le Sunday Tea de Petite Knit que j'ai tricoté dans le fil Sabri de la compagnie Illimani. C'est un fil de coton à 85% et 15% alpaca. J'adore ce projet et j'adore ce fil. L'alpaca amène une touche de légèreté, de douceur. J'ai l'impression, j'en ai pas tricoté tant, mais j'ai l'impression que si ça avait été 100% coton, mon projet aurait été un peu plus lourd, ce serait peut-être un peu plus étiré, je ne sais pas. Mais celui-là, l'effet que le fil est de l'alpaca, ça amène un toucher agréable et très agréable à tricoter aussi. Puis là, en vous parlant, je sais que pour certaines fiches Ravelry, ce n'est pas très à jour dans ce que je vous parle, mais je vais essayer de régler ça prochainement. Donc, j'ai pas pris 2 écheveaux. J'avais 200 grammes de ce fil et je pense que j'ai pris de mémoire 180 peut-être, plus ou moins 180. Je l'ai fait quand même assez court, mais je suis très contente parce que j'ai beaucoup de taille haute, donc je le trouve parfait. Je vais sûrement en prendre des photos, puis peut-être pas les insérer aujourd'hui, mais les mettre sur mon compte Instagram, puis peut-être aussi sur Ravelry. Je n'ai pas eu l'occasion de faire des belles photos. Mais je vous dirais que ce projet-là, il est très simple à faire. C'est bien expliqué. On part par le haut. On fait le yoke. Ensuite, on sépare pour le corps. On fait une bordure repliée. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on fait un certain nombre de rangs en jersey. On tricote un rang à l'envers. On refait des rangs en jersey. Et par la suite, on replie la bordure ou
le rang envers et ça nous fait une petite bordure comme ceci. Même chose aux manches, on reprend les manches. J'ai fait plus court, ça m'arrive souvent de faire les manches un peu plus courtes, là. Je ne suis pas très grande, je n'ai pas fait aussi long que Petite Knit l'indiquait. Je l'essayais souvent, puis quand j'ai décidé que c'était assez long, j'ai fait la même chose que dans le bas, une bordure repliée. C'est les seuls ajustements que j'ai fait. J'ai fait tout pareil, sauf la longueur des manches, puis la longueur du corps. Puis ça, c'est très personnel. Vous pourriez le faire plus court, vous pourriez le faire plus long, rendu là. Donc, voilà, je pense que ça va être un beau basique, un beau classique. Je l'ai déjà porté plusieurs fois depuis, ça va pas mal avec tout. Fait que je suis vraiment contente. J'aimerais ça m'en faire dans d'autres couleurs. J'aimerais ça tomber en amour avec une couleur. Puis, je vous avoue que le vert kaki dans la sabrie, dans la même qualité, m'attire, me fait de l'œil. Fait que peut-être. Surtout que je sais, depuis que je l'ai porté, que c'est agréable de porter ça l'été. Du coton, c'est confortable. Donc, je vais peut-être me laisser tenter. Disons que j'expérimentais le fil puis que je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Même au blocage, j'avais peur que ça étire un peu trop, mais finalement, non, c'était vraiment parfait. Donc, très contente de ce chandail. J'ai un troisième projet terminé. C'est une paire de chaussettes. J'ai d'ailleurs montré ça sur ma page cette semaine. C'est une paire de sockettes, plus précisément. Un modèle de Marie-Christine. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec l'éclairage. Un modèle de bas de soquette avec une petite bordure qui rappelle peut-être un peu des fleurs avec des côtes. Je ne me rappelle pas le dessus de la jambe. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas rentré mes fils. Je pense que c'est du 5-1. 53 un envers, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Donc, c'est très rapide à faire. On avait deux semaines pour faire une soquette, puis j'ai réussi à faire les deux. J'avais l'intention de finir ma paire. Et j'avais aussi l'intention de passer un reste de laine que j'avais. Alors, j'avais déjà tricoté une chaussette, une paire de chaussettes avec ce fil-là, qui est je pense que c'est le fil Sarah-Jeanne de Emilia et Philomène, un fil chaussette très doux, mérino, nylon. Puis, j'en avais quand même une bonne quantité, puis je voulais passer mon reste. Mais je savais que j'en manquerais si je faisais les pointes, les talons, si je faisais toute la soquette, je savais que j'en manquerais, il me restait juste ça. Mais j'avais dans mon stash trois écheveaux de cette laine. Et là, je peux juste vous dire que j'ai acheté ça pour faire un projet que j'ai encore dans l'idée de faire. Mais comme je savais que trois écheveaux, ce serait trop pour mon projet, ben j'ai comme été pigée dans un écheveau pour compléter parce que je trouvais que ça se mariait super bien ensemble. Donc, j'ai fait la petite bordure de la soquette, mes talons doubles et ma pointe avec ma couleur contrastante, mais je trouvais que le mariage était parfait. Et cette laine-là, c'est de la laine de Pierre-Alexandre Barry. Et là, j'ai un blanc pour la couleur, mais je vous inscrirai ça dans le bas. Ça fait quand même longtemps que je lis mon projet, il n'est pas encore réalisé, mais j'étais tombée en amour avec ce fil, je trouvais ça vraiment beau. Puis une fois tricoté, je le trouve encore très très beau. Mais il va être mixé avec du mohair, fait qu'il va être encore un peu atténué. Donc, deuxième projet terminé, projet rapide. Je vous montre maintenant, troisième projet terminé après le cardigan et après le Sunday Tee. Je vais prendre le temps de mettre l'autre chandail que j'ai à vous montrer. Bien, dans le fond, je suis déjà rendue, dans le fond, à mes projets en cours. Celui-ci, je pensais vraiment que j'aurais le temps de le terminer avant de tourner. Mais avec toutes les va-et-vient que j'ai fait, bien, je ne l'ai pas terminé. Mais je peux le mettre sur un support pour vous montrer.
parce qu'il me reste un bout de manche à faire et peut-être des petites modifications. Parce que je ne suis pas certaine que je vais le laisser comme ça. Je vais probablement le bloquer avant de décider si je change quoi que ce soit. Mais j'ai un petit peu de problème avec ma bordure de bas de corps que j'ai faite. J'ai comme expérimenté un rabat à l'aiguille, puis je suis pas certaine. Mais peut-être qu'au blocage, ça va être bien. Puis j'ai expérimenté aussi un rabat pour les manches que je voulais souple, parce que j'avais peur que la manche soit trop serrée. Puis là non plus, je suis pas certaine. J'ai comme l'impression que c'est un petit peu trop lousse, mais c'est quelque chose qui se défait. Fait que, une fois bloqué, je vais décider si je le garde comme ceci ou si je le modifie. Donc, c'est le Lotus version fingering. Vous vous rappelez, la dernière fois, je portais la version DK. Mais j'avais vraiment envie de me faire un... Ben, j'avais commencé la version fingering. Et ben, tout ce qui me reste, c'est mon petit bout de manche à terminer. Puis, je l'ai fait de corps aussi. Parce que je veux le porter avec pantalon taille haute. Mais comme je disais, ma bordure me plaît pas tellement. Donc, pas mes bordures, mais mes rabats me plaisent pas vraiment. Mais je donne une chance au blocage. Peut-être que ça va m'aider. Puis sinon, ben, je vais tout simplement défaire et refaire. Là, c'est pas. Une fois qu'on a passé à travers la dentelle, là, défaire un rabat, c'est pas compliqué. Encore une fois, même chose que pour la version des cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter. Très différent en fingering, beaucoup plus délicat. Là, je ne l'essaye pas parce qu'il fait trop chaud, mais je vous mettrai des photos sur mon compte Instagram et sur Ravelry. Je l'ai essayé par contre hier avec la manche. Là, la manche, le rabat a l'air un peu fla-fla, mais sur le. Quand je le porte, je trouve ça bien. Mais je vais voir. C'est ça. Je l'ai essayé hier, puis le fit est parfait. J'étais très contente du résultat. J'aime beaucoup la couleur. Vous avez montré, c'est un fil commercial, la Tin Line, je ne sais pas trop comment prononcer ça. Dans la couleur 95-22, puis j'avais ça l'année dernière. Là. Puis je pense que je suis à ma troisième balle, à peine commencée. Hein, tu sais, je veux dire, je n'utiliserai pas la moitié. Puis c'est des balles de 50 grammes. Ça se peut quasiment pas que j'ai utilisé juste 2,5 balles. Il va falloir que je pèse mon chandail pour vérifier ça. Je suis plus sûre. Mais bref, un patron agréable à tricoter. Rien à dire, très clair. Les modifications que je fais souvent, c'est sur la longueur. J'ai fait la manche un petit peu plus courte que Sarah le recommande. C'est un patron de Sarah Blow Design. Puis, j'ai fait même chose pour le corps, un peu plus court. Donc, c'est presque fini, là. Ça sera pas très long. On pourra le porter d'ici une semaine, à peu près. Très contente de ce projet-là aussi. Un autre... Je vous ai parlé du fil, je vous ai parlé du patron. Je ne veux juste pas passer trop vite. Le fil, le patron, la designer. Et puis tantôt, j'ai oublié ce que je vous ai dit. Je pense que oui. Je testais des chaussettes pour le recueil de Marie-Christine Lévesque. Ça, quand je ne prends pas de notes. C'est ça, c'est pour le recueil. Présentement, Marie-Christine, c'est les 12 modèles de chaussettes qui sont créés. Je pense qu'il en reste quelques-unes à tester, mais ces 12 paires sont faites. Le recueil va sortir, je crois, à l'automne. Et ça faisait partie du prochain recueil. Et c'est les chaussettes, les sockets fleuristes. Alors, ça, je l'avais dit. OK. Alors, tant qu'à être dans les chaussettes, restons-y. Juste avant, j'ai testé un autre paire de chaussettes, mais ceux-là ne sont pas terminés, c'était pas des sockets. J'ai terminé la première, c'était aussi un test pour Marie-Christine, les chaussettes Poésie. C'est super agréable à tricoter, la dentelle, le motif est simple. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi la dentelle, ben, tu sais, quand on tricote un motif ou une dentelle, ben
on veut voir la progression, fait qu'on est, on est enthousiaste, on a de la motivation parce qu'on veut voir le motif apparaître. Fait que c'est sûr que ça va super bien. Puis en plus, c'est juste sur le dessus, fait que c'est très simple. Sauf que, puis il y a aussi un jeu, un petit jeu de mailles glissées là, au niveau de, ou de jetée. Ouais, une petite jetée qui fait un petit point ajouré là, au niveau du talon. Ça, je trouvais ça super bien. Sauf que, après coup, c'est correct pour moi, mais après coup, je trouvais que ma laine ne mettait pas en valeur le point, ne mettait pas en valeur la dentelle. Parce que j'ai vu d'autres personnes qui l'ont réalisé dans une couleur unie, puis on voit beaucoup mieux l'effet de la dentelle. En plus, il n'est pas bloqué, mais même à ça, parce que j'ai une laine tweedée, très mouchetée, ben on ne voit pas très bien la dentelle devant. Mais je trouve ça beau quand même. Mais avoir à refaire, je prendrais une laine un peu plus, un peu moins texturée pour qu'on voit le point un peu mieux. C'est la laine que j'ai utilisée, c'est la, si je ne me trompe pas, c'est Monsieur Boutillette d'Emilia et Philomène, une laine à chaussettes. J'ai commencé la deuxième. Je pense que je suis rendue à me lancer dans la grille de dentelle pour la jambe. C'est un bas qui se tricote du haut vers la pointe avec des talons renforcés. J'ai rien à dire sur le patron. C'est toujours très clair, c'est toujours facile. On est bien accompagné. J'ai absolument rien à dire sur le patron. Tout est parfait. Et celui-ci aussi va se retrouver dans le prochain recueil de Marie-Christine. Donc là, je suis sur le deuxième, mais c'est pas un projet. Pour ma part, j'ai un peu de difficulté à mémoriser les grilles. Même quand c'est facile, ça me prend ma grille proche. Fait que c'est pas le fun de tricoter ça en voiture. Fait que je vais l'amener avec moi en vacances, mais je risque plus de le tricoter au chalet que pendant nos déplacements en voiture. J'espère le finir bientôt. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malgré qu'on ne voit pas mon modèle de dentelle, qu'on voit peu le modèle de dentelle, j'aime beaucoup la laine. Et voilà. Deuxième projet en cours. Quels sont mes autres projets en cours? Oui, il me reste un projet en cours. Encore une... Oh non! Mon Dieu, j'ai oublié. Bon, je vais pas, de toute façon, je vais avoir tellement de chance de vous le montrer, ce chandail-là. J'ai commencé mon pull Kaïm, mon cardigan Kaïm, plutôt que je vous avais montré la laine. Je vous ai montré la laine dans mon dernier épisode. Je l'ai commencé, j'ai mis une photo sur Instagram et je vais vous insérer une photo. Mais c'est pas grave si je vous le montre pas parce que je pense qu'on a jusqu'au mois de septembre-octobre pour le finir. Fait que vous allez avoir le temps de le voir encore, peut-être trop. Fait que je vous le montrerai la prochaine fois. C'est un chandail vraiment en laine chaude. Donc, prochain épisode. Maintenant, pour ce qui est... Ah, c'est ça. J'avais un projet qui dormait depuis l'été passé. Et là, j'ai dit, oh non, c'est pas vrai que je le finirai pas. Et je pensais, lui aussi, que j'allais être plus avancée que ça pour vous le montrer. Mais quand même, je vous le montre parce que je suis quand même très avancée. C'est le top Ingrid de Georgia Fiber. Non, Gregoria Fiber, pardon. Le voici. D'ailleurs, j'ai vu que... La même designer avait sorti un chandail, un pull à manches longues avec le même point. Mais moi, l'année passée, j'étais tombée en amour avec ce modèle-là. Je l'avais commencé, finalement, je l'avais mis de côté. Et là, je l'ai repris. Je vous dirais là, qu'il me reste mes bordures. Là, je suis en train de coudre la bordure du bas. Hein, c'est encore une fois, c'était... Un peu comme mon chandail de petite nez tout à l'heure, exactement la même chose, c'est qu'on tricote un rang à l'envers, par la suite on tourne la bordure, puis on recoupe vers l'intérieur. Là, je suis rendue à cette étape-là de coude à l'intérieur.
Et après, je vais devoir tricoter, relever les mailles autour de mes manches pour faire une bordure. Et même chose pour le col. Donc, je vais essayer de l'installer comme il faut. Donc, voilà ce que ça donne. L'encolure est plus creusée à l'avant. Et en arrière, ça monte beaucoup plus haut dans le dos. Avec des trous. Trous faits avec, évidemment, des jetés. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Je pense que oui. Je l'ai essayé. Je l'aime bien. Je vous dirais que celui-là, il est un petit peu plus lourd parce que je le tricote avec deux fils ensemble. Là, je ne les ai pas, mais je pourrais vous dire, par contre, je vous mettrai les détails dans le bas, mais je peux vous dire que c'est exactement le même fil que celui-ci. Thin Line de Sandnesgarn, mais dans la couleur, une espèce de, pas une espèce là, mais un lilas pâle. Fait que lui aussi, j'espère le porter, fait que finir ma bordure, relever les mailles pour coller manche, pas manche, c'est juste pour dire qu'on referme un peu l'emmanchure. Je pense que je vais bien l'aimer. Puis c'était je pense que c'était un worsted ou un déca. Je ne sais pas. 50 grammes, 120, 110 mètres. Ça ressemble presque à de la worsted, ça, hein? Ça veut dire 220 mètres, 100 grammes. Bref. Moi, j'ai choisi de doubler mon fil et j'arrivais sur l'échantillon. Donc, je suis allée avec ça. J'ai pris la même qualité, dans le sens, la même composition. Il y a du coton, viscose, lin, mais c'était pas la même marque, que la même compagnie que le patron recommandait. Mais somme toute, je suis assez contente. Donc, j'aimerais ça le finir pendant mon voyage en Gaspésie. Je sais pas si je vais le faire sur la route, là, mais je pense que j'en ai pas pour très longtemps. Est-ce que c'est terminé pour mes projets en cours? Une, deux, trois. Ah, j'ai quatre projets en cours si je compte mon Lotus. Fait que le Lotus se termine bientôt. Le Ingrid se termine bientôt. Le Caïm, ça va durer un bout. Puis il reste ma paire de chaussettes. Ce que j'ai pensé faire pour mon voyage, c'est de me partir une paire de bas vanille. Donc, je vais probablement piger dans mon auto-rayante, puis me prendre un contrastant pour me faire une paire de bas vanille en voyage. Ensuite, ma destination est à 7 heures de chez moi, donc je ne conduirai pas toujours. Fait que je vais avoir la chance d'avancer mes bas. Puis j'avais le goût encore de me tricoter un autre top d'été encore. Il y en a beaucoup des beaux. Mais là, je veux tricoter quelque chose de très, très, très simple que j'ai vu sur Ravelry et que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment presque un rectangle là, avec quelques, je vous le montre, là, ça s'appelle le Nelly Top. Il n'y a pas plus simple que ça, là. On voit ici, là, c'est tricoté à plat, donc je tricote le dos. Ensuite, je vais faire les diminutions pour les emmanchures. Je vais faire les petites bretelles avec un ricord, puis je vais redescendre. C'est ça? Je pense que c'est ça. Je redescends, mais ou on fait deux parties pareilles, puis on coud, mais il me semble qu'on redescend pour le devant, puis on fait des coutures sur le côté. Ce que je trouvais intéressant dans ce projet-là, c'était de venir. J'ai choisi de faire un projet en lin 100%. Donc, j'ai choisi de faire des coutures parce que j'ai l'impression que la structure de mon lin, mon fil va peut-être être mieux. En tout cas, je dis ça, puis je ne sais pas vraiment parce que j'en ai pas tricoté souvent, mais je sais que des fois le lin, ça tord un peu. Fait qu'en ayant des coutures, je vais peut-être avoir un peu plus de structure dans ma camisole. Fait que j'espère que ça va donner un résultat pas pire. J'aime le look, puis
C'est très, très simple, puis c'est un peu boxy, là. C'est pas collé au corps, c'est lousse. Fait que non, je suis. Puis c'est du point mousse, du point mousse, du point mousse. Donc, pas vraiment être plus simple que ça. Je vous le remonte, le nez est top. OK, puis moi, ben, le fil que j'ai choisi, ben, quand je suis allée faire ma petite virée à Pomponlaine Café, c'était un peu pour ça. J'avais spoté ça sur leur site internet. C'est du lin, 85% lin et 85% lin recyclé. C'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Et c'est ce que j'ai choisi. J'aime vraiment la couleur. C'est une espèce de vert un peu aqua, un peu gris. 50 grammes, 120 mètres. Donc, c'est avec ce fil-là que je vais tricoter mon projet, puis que je vais probablement mettre sur mes aiguilles demain pour l'avoir dans ma voiture en partant. C'est mon but de mettre ça sur mes aiguilles demain. Peut-être falloir que je fasse mon échantillon ce soir, par exemple. Ouais. À suivre. Donc, prochain projet qui saute sur mes aiguilles. Puis, je me rappelle aussi que je vous avais parlé d'un pull que je voulais faire à ma petite fille. Je ne l'ai pas du tout commencé parce que je suis comme embarquée dans les tops d'été. Puis, j'ai mis ça de côté. Puis, de toute façon, elle ne le mettrait pas non plus tout de suite. Fait que j'ai retardé un peu. Et j'ai un nouveau bébé qui s'en vient. Un petit poupon. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, peu importe. Mais il arrive très bientôt, là, d'ici une semaine ou deux. Fait que j'aimerais faire un petit cardigan 0,6 mois, tout petit, qu'il va pouvoir faire dans les premières semaines. Puis ça fait longtemps que j'avais ça dans ma liste de choses à faire. Et je m'excuse, hein, je disparais de l'écran parce que mes choses sont éparpillées. Donc, j'ai choisi le modèle épinette de Marie-Christine Lévesque. Puis, je vous montre. Là, je me lève, je ramasse mes choses et je reviens m'asseoir. Voilà. Donc, j'ai choisi comme laine. J'avais ça dans mon stash. Je n'ai pas acheté rien. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas l'étiquette, là, mais c'est la Merino de Knitting for Olive. La couleur, c'est Rust. J'en ai deux. J'en ai suffisamment. J'ai 500 mètres. J'en ai suffisamment pour le 0,6 mois. Fait que ça va être ça que je vais faire. L'échantillon est fait et il fonctionne. Tout était beau. Fait que je vais me lancer. Comme c'est 0,6 mois, ça devrait être rapide. Fait que je vais me lancer là-dedans durant les vacances. J'aimerais ça, là, durant mes vacances, m'asseoir un soir et partir le projet. Donc. Deuxième projet assez proche. OK. Bon, est-ce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose? Quand même, hein? J'avais quand même beaucoup de choses sur mes aiguilles, mais je trouve que j'ai comme bien avancé dans mes projets d'été. Je suis contente. Fait que je vais voir. Comme beaucoup d'ambition pour ma semaine de vacances, mais évidemment, je ne vais pas juste tricoter. Hein? Je vais faire plein de choses. Mais bref, on dirait que quand tu n'es pas chez toi, tu as moins de choses à accomplir. En tout cas, moi, ça me fait ça. Moins de ménage, moins de ramassage. Donc, ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas dit, mais moi, chaque année, on va en Gaspésie. Ça fait que c'est là qu'on retourne, puis on loue toujours pas mal le même chalet depuis une quinzaine d'années. Comme si on est bien dans cette place-là. Mais là, on a rajouté 2 jours à Rimouski parce qu'à chaque fois qu'on revient, on regrette un peu de ne pas avoir du temps pour passer, pour rester, faire des activités à Rimouski. Et donc, on va passer 2 nuits à Rimouski. Fait que ça devrait être le fun. On amène nos vélos, puis on va avoir le temps de se déposer un peu, puis de faire. Il y a plein de trucs à faire. Fait que, puis on est, encore une fois, on est sur le bord du fleuve. Fait que ça va être le fun. Fait que c'est excitant. J'ai hâte. Surtout qu'il va probablement faire moins chaud. Désolée, j'avais dit que j'en parlerais plus.
Donc, je vous parle un peu de mes achats. Quand je suis allée à Pompon, Laine Tricot à Trois-Rivières, pour acheter mon lin, j'ai aussi acheté ce fil. 100% laine, là, c'est pas un fil, c'est pas une fibre estivale, là, c'est une fibre, une bonne vieille laine, mais tweed, je sais pas comment prononcer, j'ai déjà tricoté ce fil-là, gisque, je sais vraiment pas comment prononcer, je vous le montre. Mais c'est un beau tweed vert olive, puis j'ai vu un châle là-dedans, fait que lequel, je ne sais pas, j'ai une petite idée en même temps, mais c'est ça, ça s'en va rejoindre mon stash. Puis j'en ai trois, fait que je devrais en avoir suffisamment. Puis la dernière fois, j'avais dit que je ne rachèterais pas de laine à bas pour un bout, j'ai menti. Quand je suis allée voir Shani cette semaine, j'avais spoté sur son site, ce fil chaussette, c'est de la Yaksa, couleur paradis perdu. Puis, j'ai pas juste spoté, je l'ai acheté. Je le trouvais vraiment beau ce fil, puis je me suis laissée tenter. C'est ça que ça fait les vacances. Ensuite, vous vous rappelez pour le chandail, pour le tricot du Lotus de Sarah Blow, il y avait un cal organisé et j'ai gagné. J'ai gagné un kit, un mini avec un écheveau de l'Anaba. Puis c'est une compagnie de laine du Québec, mais que j'avais entendu parler, mais je ne l'ai jamais essayé cette laine-là, fait que j'étais super contente de gagner. C'est la compagnie Barre à Tricot. Alors, j'ai gagné ce kit. Je trouve ça vraiment beau. Là. Fait qu'un mini de 20, je pense que c'est 20 grammes. En tout, j'ai 507 mètres. J'ai 120 grammes, c'est ça. Fait qu'un 20 grammes plus un 100 grammes. Fait que celui-là, je ne l'ai pas acheté. Je voulais plus l'acheter, mais je l'ai eu en cadeau. Fait que ça va aller rejoindre mon stash, puis je vais mettre ça sur mes aiguilles à un moment donné. Ça s'appelle Tequila Soap Kit, la couleur marlin. Je pense que c'est ça, Tequila Soap Kit. Ça doit être la qualité de la laine et la couleur, c'est marlin. J'étais très contente. Sarah m'a envoyé ça par la poste. J'ai reçu ça cette semaine. J'étais très contente. Donc, encore des beaux fils, encore plein de projets. Et je colle sur ma chaise, c'est tellement il fait chaud. Ok, une petite gorgée. Je suis un peu comme un lézard, je suis au ralenti. Mon sang est chaud. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que je bouge trop vite pour pas avoir trop, pour pas trop suer. Ok. Donc, avant de terminer cet épisode, je vais prendre encore une fois un petit bloc, je vais vous faire un petit bloc lecture. Donc, si jamais c'est pas un volet qui vous intéresse, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Oh, avant, je vais vous parler encore un peu de mon... Je vais parler, glisser un mot du cal je tricote québécois sur Instagram. Ça va vraiment bien, puis il y a beaucoup, beaucoup de publications en lien avec le cal. D'ailleurs, à chaque semaine, je relais un peu de projets terminés, plus les projets terminés qu'en cours. Là, j'essaie de me concentrer sur les projets terminés. Je les partage sur dans mes stories. Puis vous allez voir, il y a une pastille sur Instagram, Cal22 ou 2022. Fait que vous pouvez retrouver les projets. Je vous remercie de participer, puis c'est tellement agréable de voir tous les projets, je le répète, mais vraiment c'est super, c'est vraiment agréable. Je suis en train dans ma tête de planifier la fin du cal à l'automne ou au début de l'hiver. Puis j'aimerais ça vous offrir des choses en lien avec la laine. Puis, j'aimerais ça avoir comme objectif aussi d'atteindre 2000 abonnés. Je pense que c'est réalisable,
Fait que je vais sûrement vous parler de ça dans les prochains épisodes, mais si vous avez le goût de vous abonner, faites-le. Mettez un petit pouce en l'air, ça va aider la visibilité. À chaque fois que j'ai des épisodes, mes abonnés montent, puis je trouve ça le fun de partager avec le plus de personnes possible. Au dernier épisode, je vous disais que j'allais aller faire un tour à Compton, en Estrie, pour comme une aiguille dans une botte de foin. C'est un petit événement qui est organisé par Julie Asselin. Puis ça a été tellement agréable. Là, moi, ça faisait... ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas été dans un événement de l'ENE. Puis ça a été vraiment agréable de rencontrer les gens, puis d'échanger, de partager nos intérêts, nos projets, échanger sur la laine, échanger sur tout en général. J'ai fait des super belles rencontres. J'étais vraiment contente. Je suis sortie de là. Je suis partie, j'ai quitté comme si j'étais énergisée, remplie d'une belle énergie positive, vraiment. C'était doux, c'était chaud, c'était vraiment agréable. Fait que je remercie les personnes que j'ai croisées d'être venues me voir parce que, comme je disais, je ne connais pas nécessairement les gens, mais là, je suis capable de mettre un peu plus des visages sur des noms ou l'inverse. Donc, prochain événement, ce sera, sans doute, ça va être Twist. Le 12, moi je vais me rendre le vendredi à Twist. J'ai pris un petit congé, puis on part le matin, mon conjoint et moi, puis on va faire une petite virée. Et la façon que je fonctionne quand il y a des festivals gros comme ça, souvent, je vais aller voir les exposants qu'il va y avoir sur place, puis j'essaie de spotter un peu qu'est-ce que je veux voir, parce que je veux pas nécessairement tout voir, là. Je sais pas, je vous ai peut-être déjà parlé de ça, là. Mais moi, j'aime bien ça faire un peu de repérage à l'avance, puis là, je dis, OK, ça, je tiens à aller voir, ou même ça, je tiens à aller acheter quelque chose. Tu sais, je me fais un peu une liste, puis à chaque fois, c'est sûr que je fais d'autres découvertes, là, mais... C'est ça, je me fais une petite liste, puis je vais voir ces exposants-là en premier, puis en même temps, je vais voir tout le monde, mais c'est ça. Puis en même temps, on rencontre des gens, c'est super. Fait que peut-être qu'on va se croiser là. Puis j'ai aussi d'autres projets d'aller dans d'autres événements cette année, mais je vous en parlerai quand ce sera le temps. Alors voilà, fait que c'était le volet tricot. Maintenant, je vais passer au volet lecture. Donc, je vais vous partager aujourd'hui ma lecture que j'ai presque terminée. Il me reste une vingtaine de pages. Hey, je m'excuse, j'ai tellement chaud là. Oh, 28 degrés dans ma pièce. Hein? Je vous dis 28. OK, donc je vous partage la lecture que je suis en train de lire, de faire en ce moment. Puis, je vais faire une petite parenthèse par rapport à mes choix de lecture. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je suis pas quelqu'un qui lit des livres légers. Puis, c'est pas un jugement que je porte, là. Je vous parle de moi. Je travaille dans ce milieu-là, puis pour moi, il n'y a pas de mauvaise lecture, là. En tout cas, très peu de mauvaises lectures. Si vous avez le goût de lire quelque chose, faites-le, lisez-le. Mais pour ce qui est de mon profil de lectrice, je vais juste vous partager un petit pan de mon vécu. J'ai commencé à lire très, 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 très jeune. Et pour moi, la lecture, c'était un refuge. Et je vivais des choses difficiles, comme beaucoup de personnes. Mais pour moi, la lecture me permettait de... Je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans mes premiers épisodes, mais bref, je reviens là-dessus parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi que j'ai pas toujours des lectures
très légère. Ça m'arrive, là, mais c'est pas toujours mes choix. Puis les choix de lecture que je faisais ou qui se retrouvaient entre mes mains, c'était souvent des histoires très... des situations ou des histoires de vie ou peu importe que ce soit fictif ou réel, là, c'était souvent des choses dures. Puis moi, comme je vivais des choses difficiles, ben ça me permettait de voir qu'il y avait des situations ou des événements que les personnes vivaient qui étaient pires que les miennes. Et ça me rassurait. Puis en même temps, je m'identifiais, mais je me disais, ah ben tu sais, ma vie est pas si pire que ça. Je résume grossièrement, mais c'est ce que ça faisait chez moi. Ça m'amenait du réconfort. Donc, j'ai gardé un peu cette tendance-là à lire des choses difficiles, mais en même temps à chercher la lumière dans ça. Parce que quand on fait des lectures un peu plus... je partais pour dire menaçante. Quand on fait des lectures un peu plus intenses ou un peu plus... avec plus de charge émotive, ben il y a quand même souvent un côté lumineux dans ça. Et ça, pour moi, c'est comme des petites pépites. Fait que le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est ça. Ça s'appelle « La carte postale ». J'espère que vous le voyez bien. On a sur la couverture la reproduction, justement, de la carte postale en question. Parce que ce livre-là, c'est une histoire vraie. C'est une auteure quand même de roman qui s'appelle Anne Berest, une Française. Mais elle a écrit cette histoire-là. C'est une histoire qui l'habitait, en fait, depuis longtemps. Sa mère a reçu, au début des années 2000, une carte postale. Il faut que je vous dise que c'est une famille juive, là, la mère, la fille, une famille juive. Et que, pas le père, mais la mère. Et que la mère a reçu une carte postale avec le nom de ses deux parents et de ses deux grands-parents maternels et de sa tante et son oncle. Et on sait très bien, quand ça se passe, que ces personnes-là sont mortes durant la Deuxième Guerre mondiale dans des camps de concentration. Donc, elle trouve ça horrible de recevoir ça, mais en même temps, qui a envoyé ça? Il y a juste ça sur la carte postale, les quatre prénoms de ses ancêtres. Donc, la fille, Anne Berès, la fille de la femme qui a reçu la carte postale, elle met ça en oubli, mais par un concours de circonstances, ben, ça revient la hanter beaucoup d'années plus tard. Je vous explique pas pourquoi, là, si vous le lisez, vous allez, c'est pas important. Et plusieurs années plus tard, Anne Berès décide de revenir sur cette carte postale-là et voudrait savoir qui a écrit cette carte postale, qui a envoyé cette carte postale. Donc, elle part un peu sur la trace de ses ancêtres et nous ramène juste avant la Deuxième Guerre mondiale, nous retrace l'histoire de Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. C'est les quatre noms sur la carte postale. Donc, en m'entendant parler, vous allez me dire, bon, ben, du coup, moi, c'est ça que j'ai des fois comme réflexion, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur la Shoah, sur l'extermination des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. On a entendu beaucoup parler, puis on va en entendre encore beaucoup parler, là, c'est très correct. Mais, ben, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a qui nous collent plus, il y en a qui nous collent moins. Mais je tenais à vous en parler parce que ce livre-là est vraiment magnifique, lumineux. Il me reste quelques pages à lire. L'auteur est sur un style, hein, c'est une écrivaine déjà à la base, et elle part sur les traces de ses ancêtres, puis on fait des allers-retours avec qu'est-ce qui s'est passé réellement, et aujourd'hui sa quête de retrouver la personne qui a écrit la carte postale, sa relation avec sa mère, sa relation au peuple juif. C'est très difficile à résumer parce que c'est comme ça se passe sur plusieurs années. Ça se passe aujourd'hui, mais comme on fait des retours en arrière et des avancées dans le temps, ça visite un pan de l'histoire beaucoup visité en littérature, mais il y a encore des choses à dire là-dessus parce que ce livre-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment pertinent.
et surtout touchant, puis plein d'espoir, vraiment. Donc, je vous le conseille, je n'en dis pas plus, j'espère vous avoir donné le goût de le lire. La carte postale de Anne Berest, et c'est aux éditions Bernard Grasset. Voilà. Donc ça, c'est ma première suggestion. C'est un livre que tu sais que tu vas le finir, puis tu aurais le goût d'étirer la sauce, puis de ralentir ton ralentir ton début de lecture parce que tu veux pas le finir. Ben, c'est un peu ça que ça me fait, ce livre-là. Je vais avoir un petit deuil quand je vais le déposer pour le quitter. Puis j'arrête pas de dire à mon chum, c'est tellement bon, c'est tellement bon. OK. Et deuxième, ben deux et troisième, je pars avec en vacances. Je sais pas qu'est-ce que je vais lire, je sais pas si je vais pas lire d'autres choses. Là, je fais ça souvent, là, c'est comme le tricot. Je décide que je tricote de quoi, puis finalement, je passe à d'autres choses. Mais j'avais dans mes plans de lire, sur une note un peu plus légère, « Le silence des pélicans » de J.L. Blanchard, une enquête de Bono et la mouche. Bon. Enquête policière, paraît que c'est un peu humoristique, je peux pas vous en parler beaucoup. J'ai juste une amie qui l'a lu puis qui a adoré. Et comme le deuxième sortait bientôt, ben est sorti, ben j'ai décidé d'essayer le premier. Donc, c'est un livre québécois. Je suis pas certaine que c'est publié en France. C'est aux éditions Fides. Fait que ça peut vous servir de suggestion si jamais les polars vous intéressent. Et je devrais vous en parler un peu plus dans mon prochain épisode, si j'ai aimé. Et l'autre, c'est un roman de fantasy. J'ai lu beaucoup à l'époque de ma vie, beaucoup de fantasy. Là, j'en lis moins, mais ça m'arrive de me laisser attirer. C'est un livre qui a gagné le prix Nebula et le prix Locus. Je pense que c'est des prix qui sont décernés dans des mondes science-fiction, fantasy, dans des univers science-fiction, fantasy. Et le livre, c'est Déraciné de Naomi Novik. Fait que ça non plus, j'ai vraiment du bouche à oreille au fil de mes recherches que j'ai trouvé ça. C'est un peu des deux, hein. Je cherche, puis en même temps, j'en entends parler. Fait que je vous dirai aussi si ça m'a intéressé, mais en même temps, ça peut vous faire une petite suggestion. Celui-là, il existe en format de poche chez J'ai lu. Voilà, voilà. Donc, pour résumer mon univers des dernières semaines, c'est pas mal ça. Très contente d'avoir réussi à filmer malgré cette chaleur. Et je vous souhaite une bonne continuation d'été. Je souhaite surtout aux gens en Europe que la chaleur vous quitte. C'est vraiment, je sais que c'est vraiment pas drôle. Je m'apitoyais sur mon sort au début, mais je sais que c'est beaucoup, c'est un problème chez vous. Fait que j'espère que ça va disparaître, sinon s'atténuer dans les prochains jours. On se revoit dans quelques semaines avec la suite, puis je vous promets de mettre mes fiches Ravelry à jour avec des photos un peu plus potables où je vais pouvoir essayer de prendre des photos, porter mes chandails avec une température un peu plus douce, un peu moins chaude, c'est-à-dire. Alors je vous remercie encore de votre écoute. Merci de votre présence, merci d'être fidèle, d'être là. Et au plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez sans hésiter mettre des commentaires. Puis, comme d'habitude, là, ça se peut que ça prenne quelques jours avant que je mette mes notes à jour dans le bas de la vidéo. Mais ça va suivre très prochainement les craintes. Merci beaucoup. À bientôt.